L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Il vous est reproché aujourd'hui d'avoir à Tarbes le 21 septembre 2011 conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable, avec cette circonstance que vous vous trouviez en état de récidive légale. Il vous est reproché également d'avoir à Tarbes, donc le 21 septembre 2011, pris le nom de votre frère Yasser, dans des circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales. À votre casier, il y a quand même 16 mentions. Hein, 16 mentions, ça commence le 10 avril 2006, tribunal correctionnel de Toulouse. 6 mois, dont 3 sursis pour vol avec effraction, avec destruction ou dégradation, conduite sans permis. Tribunal pour enfants de Toulouse, 1 mois sursis pour vol, contrefaçon de chèque et usage. 1 mois sursis encore pour vol le 1er mars 2007 à Toulouse. Encore 3 mois sursis pour recel de vol en 2007 et conduite sans permis également. 3 mois sursis pour vol en réunion et 300 euros d'amende pour usurpation d'identité. 3 mois à Pau pour vol avec destruction ou dégradation en récidive. 1 an, dont 6 mois sursis mis à l'épreuve pendant 18 mois pour récidive de vol avec effraction, contrefaçon de chèque et usage. 6 mois pour récidive de vol avec effraction. À Cahors, 5 mois sursis pour trafic de stupéfiants. 2 ans, dont 1 an sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans pour récidive de recel de vol avec effraction. 2 mois pour vol en réunion. 6 mois pour récidive de vol en réunion, conduite sans permis et sans assurance. Et 1 mois également pour usurpation d'identité. Le 14 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Toulouse vous a condamné à 8 mois pour conduite sans permis, à 2 mois pour récidive d'usurpation d'identité. Et le 7 juillet 2011, la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Toulouse a révoqué totalement le dernier sursis avec mise à l'épreuve qui subsistait à votre casier. Voilà, alors les faits, vous avez été contrôlé au volant d'une voiture hein, à 0h30 et vous avez présenté une carte d'immatriculation algérienne délivrée par le consulat d'Algérie au nom de votre frère Yasser. Vérification effectuée, votre frère avait son permis de conduire annulé et 3 fiches d'exécution des peines qui ont entraîné votre incarcération à la maison d'arrêt et c'est seulement le lendemain que vous avez dit, en réalité, je ne m'appelle pas Yasser, je suis Mohamed, j'ai cru qu'il avait le permis de conduire, donc j'ai pris l'identité de mon frère, mais moi, je me suis évadé de la maison d'arrêt de Carcassonne. Hein, c'est cela. Oui. Alors, il y a une chose qui m'interroge quand même, comment se fait-il que vous aviez en votre possession la carte d'immatriculation algérienne de votre frère ? Ah, c'est compliqué, madame, si je devais raconter tout, je ne sais pas si je vais avoir le temps, parce que ça, c'est... Ah, faites un résumé. Madame Janson connaît un peu l'histoire, voilà, si je peux en parler, si vous voulez, en fait, à la base, si vous voulez, moi, j'étais scolarisé à lycée Champollion à Figeac, j'étais en terminale BEP électronique, j'étais victime d'un enlèvement et de séquestration à l'âge de 18 ans. Donc, du coup, j'ai été déstabilisé, à partir de 2006, je vous parle. Donc, à ce moment-là, moi, si vous voulez, j'étais délaissé par un système judiciaire qui, à mon encontre, a été assez lent, parce que, si vous voulez, moi, j'ai pas pu regagner la scolarité et ni le domicile familial. Et donc, je me suis retrouvé un peu à la rue, quoi. C'est là que j'ai commencé à toujours commettre des vols. Je vous demandais pourquoi vous aviez la carte d'immatriculation de votre frère. Hein. Ah, mais je vais venir, je vais vous expliquer. Ah bon, vous y arrivez. Ça va arriver, vous inquiétez pas, parce que c'est assez lent. C'est pour ça qu'il faut partir du début, parce que si je vous dis... Allez-y, continuez, alors, voilà. Que je ne vous interromps pas. Du coup, moi, je me suis retrouvé dans la rue, j'ai fait énormément de conneries, je reconnais. Moi, dans ma tête, c'était, tant que l'affaire n'avait pas passé en justice, parce que mon avocat, Maître Etelin, à Toulouse, il me garantissait une indemnisation par rapport aux dommages que j'avais subis, il me garantissait une indemnisation qui me permettrait de reprendre un nouveau départ. Moi, dans ma tête, c'était, tant que l'affaire ne passe pas en justice, voilà, je m'en fous, quoi, un peu. Je m'en foutais un peu de conduire sans permis, d'être en prison, d'être là ou là, parce que je me disais, le jour où je vais être indemnisé, je vais pouvoir quitter la région midi-pyrénéenne pour éviter des représailles, bien sûr, et par la suite... prendre un nouveau départ, reprendre ma scolarité, me permettre de me soigner parce que j'ai des soins encore à faire aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Et ces soins sont justifiés sur expertise et sur document. Mais oui, non, mais. Je ne dis pas ça comme ça. Non, parce que vous à chaque fois, je le fait. Dis. Voilà. Je vous explique. Moi, si vous voulez, j'étais victime d'enlèvement de séquestration en 2006, madame la juge. Si vous voulez. J'ai été expertisé en 2010. La cour d'appel de Toulouse a désigné une expertise psychiatrique. Je ne vais pas juger les autres. Non, mais je vous explique pourquoi je me suis évadé, parce que je vais vous expliquer tout ça après. Ça justifie tout.
Donc du coup, moi, si vous voulez, j'ai été expertisé en 2010. Donc quand j'ai été expertisé, on m'a dit, voilà, monsieur, vous avez des problèmes psychiatriques, vous avez des soins à faire, il faut les faire. Je justifie une incapacité permanente psychique de 5%, mais permanente, je dis bien, il n'y a pas de date de consolidation sur une incapacité permanente. Et sur le code de santé publique, vous savez très bien que toute personne atteinte d'une incapacité permanente doit être considérée comme handicapée. Bien. Je ne vous raconte pas ça comme ça. C'est sur le code de santé publique. Très bien, oui, non, mais rappel des donc, textes. Voilà, moi, vous me considérez comme une personne handicapée à ce jour. Et pour tous les délits que j'ai commis, comme le stipule, parce que je l'ai noté, parce que c'était un peu compliqué, parce qu'il faut bien que je prépare ma défense, madame, si vous me permettez, article 122.1 du code pénal n'est pas pénalement responsable la personne qui est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Moi, je nie pas les actes que j'ai commis. Je sais que j'ai commis des délits. Monsieur, pourquoi étiez-vous en possession de la carte d'immatriculation du véhicule de votre... Je vais y arriver, madame la juge, si vous me permettez. Donc moi, si vous voulez, à ce moment-là, comme aujourd'hui encore, je suis toujours touché par cette histoire. Parce qu'il n'y a toujours pas de soins, je souffre de douleurs constantes. J'ai eu le docteur, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai un problème de respiration. Ça fait 4 ans que je suis comme ça. Je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai été impulsif sur certains délits que j'ai commis. Ça m'a peut-être pas totalement poussé à commettre ça, mais ça y est participé. Et vous ne pouvez pas le nier parce que c'est justifié sur expertise. Est-ce que c'est à cause de cette impulsion que vous aviez expliquez. Sur vous le certificat moi, d'immatriculation vous madame, de votre je vous expliquez, frère. Je vais venir. Moi, si vous voulez, par la suite, si vous voulez, j'ai commencé à faire des démarches à l'hôpital de Toulouse. Donc, on est le 15 décembre 2010, là. Nous prévoyons de réaliser ce geste chirurgical dans le courant de mois de mars 2011. Donc, moi, j'ai été incarcéré en janvier 2011. Donc, peu avant cette opération. Moi, quand je suis arrivé en détention, je dis, voilà, il faut faire transférer, j'ai une opération à faire et tout, là. Ça n'a pas été fait. J'ai dû procéder à des actes de mutilation. Je ne vais pas vous dire ça comme ça. C'est justifié sur mon dossier médical qui est actuellement en prison. Donc, du coup, voilà, j'ai été vu par un médecin urgentiste. Je lui ai expliqué que, voilà, j'ai des problèmes de respiration, j'en pouvais plus. J'ai pris un couteau, je me suis mutilé le nez, Bon, bref. Tous les jours, je prends un couteau, j'essaie de me redresser la paroi osseuse. Là, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Moi, je ne mens pas. Je l'ai monté jusqu'au cerveau, le couteau. Comme ça, j'essaie de. Enfin, pourquoi ? Parce que j'en ai marre. J'arrive pas à dormir, j'ai des problèmes d'insomnie. Je dors pas, on ne peut pas me soigner. Qu'est-ce que je fais ? On m'enferme dans une cellule, je me retrouve tout seul, moi et ma santé, moi et mes douleurs. Qu'est-ce que je fais ? Là, vous étiez j'essaie dehors, de me soigner. Ça s'est passé. Non, je vous explique. Après, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en avais marre d'écrire aux médecins, de péter les plombs, de m'embrouiller avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quoi ? J'ai demandé une permission. J'ai vu à la télé qu'il y avait. J'avais vu une émission, si vous voulez, qu'on pouvait réaliser un geste. On pouvait faire une opération dans un autre pays, là, c'était Prague, je crois. Faites cette émission qui a poussé mon état psychique à me préparer à ça. Moi, dans ma tête, c'était quoi ? Je sors, je vais me soigner, je reviens, je me range, je vais réexécuter. Voilà pourquoi je me suis évadé. Je me suis soigné. D'accord. Maintenant, je suis propre. Mettez-moi alors, en prison. Maintenant, vous êtes évadé, vous êtes en voiture à 0h30. Voilà, j'explique pourquoi je roule toujours en conduite sans permis. Pourquoi je roule toujours sans permis ? Parce que, si vous voulez, moi, j'ai un problème, c'est que je suis atteint d'une pathologie qui est... Je peux inscrire là-dessus. Si vous voulez, je suis atteint de pathologie, j'ai un syndrome d'évitement. Si vous voulez, j'ai un syndrome d'évitement et d'isolement par rapport à ça. C'est ce qui est décrit dessus, c'est pas moi, c'est des experts psychiatriques. Parce que voilà, vous allez peut-être prendre pour un fou, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Donc du coup, moi, ce que je fais, conduis toujours sans permis, parce que quand j'arrive pas à marcher dans la rue. Je vous jure, madame, c'est vrai. J'ai pris une entière. Pourquoi j'ai pris le passeport, mon frère ? Bon, excusez-moi, pour la longueur de la réponse. Oui, hein. Excusez-moi, arrive. Madame, hein, parce que mais franchement, ça me fait du bien de m'exprimer. Je non, vous jure. Non, mais parce que bien. Même des psychiatres, je demande à parler avec un psychiatre, un psychologue. Il n'y a pas de psychologue. Il faut bien que je parle à quelqu'un. Dès que je vous vois, Allez-y, je vous écoute. Après, si vous voulez, moi, si j'ai pris le passeport à mon frère, pourquoi ? Parce que moi, je ne vous mens pas, je voulais circuler avec les papiers à mon frère. Je pensais qu'il avait le permis. Je voulais aller à Prague. Vous l'avez pris comment, ce passeport de votre frère ? Mais je suis allé à la maison et j'ai pris ses papiers. Oui, à la maison, je me vois rarement, j'ai pris ses papiers, j'ai rien dit. Et puis vous avez en même temps complété un certificat de cession qui pose question quand même. Parce que le jour même à 8h, donc le jour où vous avez été interpellé le 21 à 0h et quelques, et le 20 à 8h du matin, vous avez rempli, ce qui est un petit peu curieux quand même, un certificat de cession de ce véhicule qui vous appartenait. Vous l'avez cédé à votre frère et vous avez barré la carte grise avec mention « vendue sans mettre de date ». Pour quelle raison ? Je m'attendais à un contrôle. Et voilà, et il ne fallait pas que la voiture vous appartienne. Bah oui, parce que quand on conduit sans permis, à l'heure actuelle, on confisque de façon obligatoire le véhicule. Alors, il valait mieux qu'il ne soit plus à vous. C'est ça ? Si vous vous attendiez à un contrôle, vous me dites. Non, pas du tout. J'ai fait ça comme ça. Mais en réalité, il vous appartient toujours, alors, ce véhicule ? Non, maintenant, elle est vendue, ça fait longtemps. Qui l'a vendue ?
mes parents. Mais il appartenait à qui, ce véhicule? À vous ou à vos parents? Mais il était au nom de ma mère, mais il était à moi. Alors, vous faites un certificat de cession de ce véhicule à votre nom et vous me dites qu'il appartenait à votre mère. Vous cédez le véhicule de votre mère. Mais pourquoi vous voulez, vous, madame la juge, pourquoi vous voulez savoir à qui est le véhicule? Je ne comprends pas. Ah bah, ça peut avoir un intérêt pour la sanction. Bien, et alors pourquoi tout... Vous saviez... Je n'ai pas compris. Excusez-moi, je n'ai pas compris. La sanction obligatoire de la conduite sans permis, c'est la confiscation du véhicule. Donc ça peut quand même présenter un intérêt. Ouais, parce que je me suis, j'ai plein de fois attrapé son permis, et, je sais pas, on m'a jamais pris la voiture. C'est pour ça, c'est nouveau, quoi, alors. Ah, ça date récent, du 15 mars 2011. Ah ouais, c'est récent, d'accord. Ah, c'est un peu plus récent. Oui, vous avez plusieurs condamnations. Je ne sais pas s'il y en a des postérieures. Au 15 mars 2011. Madame la juge, franchement, je suis un cas spécial. Il faut me mettre à part, si vous voulez. Il faut essayer de me mettre à part. Il faut regarder vraiment ce qui se passe. On vous met à part, en plus. Parce que ce que j'ai vécu, c'est pas tout le monde qui le vit. Ce que j'ai vécu, c'est pas tout le monde qui l'a vécu. Là, j'ai 25 ans aujourd'hui. J'avais 18 ans, ça fait 7 ans. Là, je sors en 2015. Là. J'ai pris 2 ans, vous n'avez pas mentionné encore. J'ai pris encore 2 ans qui sont tombés. Je sors en 2015, je vais avoir quel âge? Je vais avoir 28 ans. Je suis encore comme ça, je vais faire quoi en sortant? Faut penser à ma réinsertion aussi. Faut que je pense moi-même à ma réinsertion. Moi, je pense à moi, je pense à me soigner. Parce que moi, je suis pas quelqu'un, je sais que je suis pas quelqu'un de bête à la base. Mais c'est juste que je suis perturbé. Je suis perturbé. Et après votre bac que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé quand même quelques jours? Franchement, j'ai pas travaillé. Dans ma tête, j'étais toujours derrière l'avocat. C'est quand? Parce que l'avocat, il me dit, ça va mettre un an. Après, il me dit, ouais, encore un an. Après, encore un an. Après, encore un an. Moi, comme un con, j'étais toujours derrière lui en me disant, voilà, je m'attendais à. En fait, je me suis toujours fixé un nouveau départ par rapport à ça, dans ma tête. C'est pour ça que je réfléchissais à rien, quoi. Je vous jure, c'est vrai. Vous avez d'autres choses à dire sur les faits, en cas. Bon, franchement, madame la juge. Moi, vous me rajoutez encore une peine, ça ne va rien me faire. Moi, ce qui m'importe, vraiment, c'est ma santé. C'est ma santé, j'ai des problèmes de santé. Je dors pas la nuit. Vous rajoutez une autre peine, mais monsieur, vous avez rajouté d'autres faits, vous. Vous n'auriez pas recommencé. Il n'y aurait pas eu d'autres peines. Mais madame, j'ai fait ça par intérêt, c'est justifié. Je fais quoi, moi? Vous voulez que je fasse quoi? Je sors, mais c'est normal, c'est mon cerveau qui a réfléchi comme ça. J'ai passé un jour dehors, un jour, je suis resté un jour. J'ai fait quoi? J'ai pris la voiture, je suis descendu à Tarbes, on m'a attrapé. Bien, des questions. Monsieur le procureur, des questions. Maître Bertrand. Pas de questions, madame. Bien, asseyez-vous. On va entendre monsieur le procureur dans ses réquisitions. Oui, madame le président, mesdames, je veux bien que vous ne rajoutiez jamais plus de sanctions et que vous ne prononciez plus de peine, mais ce, bien évidemment, à la condition, c'est le moins que l'on puisse demander, qu'il ne commette pas d'autres infractions. J'appelle votre attention, madame le président, mesdames, sur la gravité. La conduite sans permis, elle fait courir un risque aux autres usagers de la route. De la même manière, je rappelle que monsieur n'est pas assuré au cas où il créerait un dommage pour lui ou pour les autres. Vous le retiendrez donc dans les liens de cette prévention et le condamnerez, je rappelle qu'il est en récidive de récidive, vous le condamnerez à une peine de 8 mois d'emprisonnement. Pour la prise du nom d'un tiers, à savoir celui de son frère, vous le retiendrez là encore dans les liens de la prévention. Je rappelle que ces deux infractions s'additionnent sur le plan de la peine et vous le condamnerez à une peine de 5 mois d'emprisonnement. Merci, monsieur le procureur. Maître Bertrand. Oui, madame la présidente, mesdames. Nous devons immédiatement concevoir qu'il a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Mais dans l'usurpation, c'est-à-dire le fait de prendre l'identité de quelqu'un pour lui causer éventuellement un préjudice, je ne crois pas que les faits soient constitués et je ne crois pas du tout que c'était l'intention mon client. Il vient de vous dire, mais je suis un cas à part. Tout le monde est un cas à part, bien entendu. Mais je crois que celui-ci est réellement à part parce qu'il a une personnalité qu'il définit lui-même comme perturbée, mais il le fait à l'appui d'expertise, d'éléments qui sont des éléments vérifiés. Et donc vous devez, dans la décision qu'il vous appartient de prendre, prendre en considération nécessairement cet élément psychologique significatif, important, majeur peut-être, déterminant peut-être aussi, pour dire qu'il y a là une atténuation de la responsabilité dans ces actes qui mérite peut-être une appréciation complémentaire du point de vue psychiatrique, c'est possible, mais qui mérite tout de même une attention quant à la personnalisation de la peine. Merci, maître. Levez-vous, monsieur. Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, madame, je ne vais pas adresser spécialement à madame Jansot, parce qu'elle avait un peu mon dossier, quoi.
J'ai réussi à avoir un papier là, qui justifie ce qu'on m'a demandé. Là. Il m'a donné un papier, là, vous vous en rappelez ? Il m'a dit, vous donnez-moi un papier, je vous ai ramené ce papier, parce que cette opération, je vous demande. Il a réglé les problèmes d'exécution des peines. Non, mais je vous explique, parce que moi, le médecin à la maison d'arrêt ne veut plus me voir. Il ne veut pas me soigner. Moi, j'ai fait quoi ? J'ai écrit au procureur de la République pour adresser une plainte pour délaissement, mais sans réponse. Plusieurs fois, j'ai écrit, 2-3 fois. Je sais pas, moi, si, moi, je suis bien victime de délaissement, je le sais. Il y a une expertise médicale en cours. Article 223, alinéa 3. Déjà, le procureur n'a pas demandé l'application de la peine planchée. Il aurait pu requérir 2 ans hein, pour l'usurpation d'identité. Je vais me soigner, madame. Moi, je m'en fous de la prison. Mais la prison, ça ne me fait rien. Moi, je vais me soigner. Même tant que je suis en bonne santé, je m'en fous de la prison. Je suis bien. C'est quoi la prison ? Je suis enfermé, je vois la télé. Bien. Le tribunal va aller délibérer sur votre affaire. S'il vous plaît, madame, là, je prenais ça en compte, s'il vous plaît, juste ça. Madame, le juge de l'application des peines va le prendre en compte. Non, parce que j'en ai marre, franchement, ça fait 1 an et demi, là, tous les jours, je suis en train de me charcuter le nez, là, c'est bon. Voilà, bon, moi, j'en ai marre, là. Je demande que ça, moi, s'il vous plaît, vous foutez moi même 10 ans, là. Voilà, l'affaire est mise en délibéré, le tribunal va suspendre l'audience pour délibérer sur cette affaire. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Il nous faudrait le prévenu. Voilà. Bien, par jugement contradictoire, le tribunal retient l'état de récidive légale pour l'usurpation d'identité. Le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés, ainsi requalifiés, et vous condamne pour la conduite sans permis en récidive à 8 mois d'emprisonnement et pour l'usurpation d'identité en récidive à 2 mois d'emprisonnement. Eh bien, l'audience correctionnelle est levée.